Qu'est-ce qui s'est passé, Nika? Nika! T'es prête? On y va. Tout était sous contrôle. On avait récupéré le boîtier. Elena, brouille-toi, ça prend trop de temps là. Ok, prépare-toi. On s'est fait doubler. Les mecs d'Auteuil sont arrivés. Est-ce que tu peux me dire depuis quand on se laisse doubler par Auteuil? Depuis que tu nous préviens pas qu'on est plusieurs sur le dossier. On est en infiltration. Ils sont arrivés, ils ont tout. Qu'est-ce que tu as foutu de mon prototype? C'est Elena qui avait le sac. Le mec a emmené Elena et le sac. Tu savais qu'il viendrait. Comment t'as pu nous la faire à l'envers comme ça? Je te dois rien, Nika. C'était ton taf. Récupérer le boîtier, le ramener ici et vous barrer ensemble. Ça, c'était le deal. Résultat, on a perdu un agent et la machine. Elena! Où est le prototype? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as tout fait péter? Prendre le risque de détruire les machines. Est-ce que tu sais seulement ce que ça représente? Est-ce que tu crois que ta vie vaut mieux que ça? T'es la pire personne que je connaisse, putain! Je te hais. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je suis toujours en vie. Pas comme ta conne de sœur qui a rien foutu. L'agence va nous lâcher quand ils vont apprendre que t'as tout fait péter. Qu'est-ce que tu veux, Lex? Où est le boîtier? Tu crois vraiment que je serais là si je l'avais coffré? Donc t'es venu là juste pour te planquer, en fait? Je suis là parce que c'était le deal. J'ai fait ma part. Maintenant, t'effaces mon dossier et celui des mains. Bon. Une bonne nouvelle. C'était compliqué, mais on y arrivait. Tu parles de... Je parle de la mission Red. On a enfin réussi à trouver le boîtier. Donc vous y allez, vous ramenez votre cul avec, et c'est terminé. Après, tu nous laisseras tranquille. Vos fichiers seront intégralement détruits, donc ce serait comme si vous n'avez jamais bossé pour nous. Ouais. C'est quoi, Loïc? Ce boîtier se trouve dans la salle des archives de la Robotics Corp. C'est n'importe quoi, c'est une forteresse, là-bas.
Mais c'est bien pour ça que j'ai fait appel à vous. Bah, on a besoin d'une équipe. On le fait. On le fait seul. Donc tu as l'impression d'avoir fait ta part. Tu me dois une machine qui vaut des millions, alors dis-moi pourquoi j'accepterai. Dis-moi. Parce que sans Elena, je ne sers à rien. Tu sais très bien que je fonctionne en famille. Pour ton dossier, oui, je comprends. Par contre, celui d'Elena, je vois pas pourquoi. Parce que je veux plus qu'on soit liés à cette agence. Je veux la ramener à la maison, je veux qu'elle soit avec Alice. Et si je te laisse partir, tu vas faire quoi? On pourra retourner dans la maison d'Elena. On va faire quoi quand ce sera fini, tout ça? On peut se barrer. Tu vas aller où? On pourra retourner dans la maison des parents? Ouais. Va pour Moscou. Je veux rentrer chez moi, je vais oublier tout ça. Nika, tu es seule. Tu as perdu tes deux sœurs. Donc maintenant, ta famille, c'est moi et l'agence. On vient de récupérer les images de la caméra. La bombe a tout fait péter. Casse-toi. Ça, je le garde. En souvenir. La loyauté, Nika. C'est ce qui est le plus important. Non, Lex, tu l'envoies pas faire ça, c'est pas un agent de terrain, tu le sais. Attends, non, mais c'est à elle de décider, non? Quoi, elle chopait le malade du Darknet, là? Je sais très bien qui c'est ce psychopathe, d'accord? Tu m'envoies moi, je vais me le faire. Non, mais non, il va pas s'attaquer à toi, tu sais très bien. Alice, c'est le bon profil. On prend pas cette décision sans Elena. Je vais le faire. Alice, non! Je vais le faire, Lex. Fais voir. C'est n'importe quoi. La loyauté, les filles. C'est ce qui est le plus important. Nika, tu te rends compte? C'était sa décision. Ah ouais? Et c'était sa décision aussi, de se faire torturer et tuer devant des milliers de gens? Putain, mais c'est toi qui l'as tué, regarde ce que t'as fait! Elle n'est pas morte pour rien. Et voilà, c'est la fin de ce live, j'espère que ça vous a... Tu t'es servi d'elle. Crois-moi, Yann n'est pas au bout de ses peines. Il aura 30 longues années pour se souvenir de ce qu'il a fait. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être toi. Putain, je te jure, là, je sais pas ce qui me retient de lui. Il savait qu'Alice allait y passer, c'est pour ça qu'il a mis elle sur la mission. Il m'a ramené son portable, en fait. Putain, mais je comprends pas pourquoi t'as fait confiance à Alex, quoi. Je comprends pas. Et c'est quoi, là, ce truc Red Room? C'est un projet qui a été développé par Robotics et l'agence. Je crois qu'ils voulaient remplacer les prisons. En gros, tu branches un mec et une machine, et il subit le crime pour lequel il a été condamné, en boucle, comme ça, tout le reste de sa peine. Une prison virtuelle. C'est pour ça qu'il voulait aller sur la mission, quoi. Et il a pris son meurtrier en cobaye, putain, mais c'est... Mais ça vient foutre quoi, là, dans le truc, Robotics? Ils sont pas dans les robots domestiques, normalement?
qu'en fake love, ça marche peut-être pas. Et l'agence? Bah l'agence, ils se sont fait virer du projet, tu crois quoi? Ils ont pris l'oseille de Lex, ils ont développé le proto et puis ils l'ont gardé pour eux. Si Lex récupère pas, elle est morte. Bon, on fait quoi maintenant? Moi, je veux pas d'Alice là-dedans. Moi non plus, Léna, je veux pas là-dedans. On laisse Lex retrouver le proto, de toute façon, on le mettra sur le coup. On y va, on le récupère, on le détruit. Une vie pour une vie. Il nous laissera pas faire, tu sais. J'ai une idée. Ils sont toujours deux éclaireurs. Les autres, ils se ramènent après. Vlad va foncer sur toi et te sortir de la pièce. Il va tirer dans le gilet au cas où quelqu'un te voit. Moi, pendant ce temps-là, je prends la grenade, je lance, et pendant que c'est le bordel, vous partez par les sous-secours. Tu t'occupes pas de moi, tu prends la Red Room, vous partez. Vous me laissez là. Moi, je me démerde. Je retourne à l'agence et on se rejoint au parking. Ok? Ok, je suis connectée. Si on débranche le programme, la machine qui maintient Yann en vie sera effacée aussi. Elle est libre, maman. Давай, поехали отсюда. Давай, давай. Pour Alice.